Yo les gens, ici Rafi750, on se retrouve comme chaque vendredi pour ma vidéo hebdomadaire sur le placement de Xur sur Destiny 2. Donc on est le vendredi 24 août, donc Xur est arrivé depuis quelques minutes, donc il sera disponible du 24 jusqu'au 28 août. Donc c'est parti, il est sorti tôt cette semaine. Donc on va voir ce qu'il nous propose cette semaine. Donc juste pendant que qu'on arrive sur Titan, j'ai quelques infos à vous proposer sur Destiny 2, le prochain DLC. Donc le DLC sera téléchargeable, donc pré-téléchargeable à partir du 28 août. Donc 28 août, vous pouvez le télécharger, mais le jeu, le DLC, arrivera que le 4 septembre. Et vous aurez aussi pendant une semaine, pas une semaine, mais une journée, je veux dire, excusez-moi, vous pourrez pas télécharger, mais essayer le nouveau mode Gambit en multi. Donc ce sera le 1er septembre. Donc ce sera à partir de 19h. Donc comme c'est un samedi, c'est bien jusqu'au dimanche de septembre. Voilà. Donc, comme c'est tard 24h, donc ce sera 24h, vous pourrez tester. Par contre, vous ne pourrez pas monter vos rangs. Comme les rangs de courage, tout ça, vous ne pourrez pas, ça ne marchera pas. Et vous pourrez également, vous pourrez looter, mais ce sera que de l'équipement de l'année 1. Donc vous n'aurez pas d'équipement niveau 2, de l'année 2. Il y a ça. Et il y aura une mage aussi de Destiny 2 à partir de 16h30 le 4 septembre jusqu'à 19h je crois. Et le jeu, bah, vous pourrez lancer votre jeu le 4 septembre à 19h. Voilà. Juste petite info qui fait plaisir toujours. Donc, attendez, Xur il est où? Là par là. On va voir ce qu'il nous propose. C'est parti, on y va. Donc. Ce qu'il nous propose, donc comme chaque semaine on a l'engramme prédestiné, donc ça j'utilise pas, j'attends le prochain DLC pour pouvoir acheter. Donc ensuite on a l'arme de la semaine, c'est casse-cou, donc c'est un pistolet cryo-électrique. Donc j'ai pu vous rappeler toutes ces perks parce que je pense que depuis le temps que vous jouez vous connaissez. Ensuite on a l'œil de l'autre monde, donc c'est un casque pour les arcanistes. Pour les titans c'est le MK44, écartez-vous. Donc pour les titans c'est un... une armure de jambes, et pour les chasseurs c'est une armure de torse, donc vous pouvez voir armure de torse. Ensuite on a les 3 deniers usage unique, donc un 3 deniers qui dure 4 heures dès vous l'activez, et ça s'achète contre 31 éclairs légendaires. Et ensuite on a le 5 épées, donc pour l'année noire si vous l'activez, les multiplicateurs de noir prestige. Donc voilà, cette nouvelle vidéo est terminée. De toute façon, elle est courte parce que maintenant, je pense que vous avez l'habitude de Xur. Je pense depuis le temps, ça fait presque un an que le jeu est sorti, donc je ne veux pas vous répéter toutes les perks. Vous déterrez vraiment les perks des nouvelles exotiques qu'on aura dans le prochain DLC. Voilà. Donc moi, je vous dis prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter une vidéo. Bah, portez bien. Peace. Et si j'ai oublié quelques infos pour DLC Destiny 2, n'oubliez pas de me le rappeler. Dans les commentaires, et je ferai un petit rappel pour la prochaine vidéo. Voilà, salut, bye bye, portez-vous bien.